غرها شعبيكا مدنيال يمرواو مرواوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كردب وحن آد يو آد وقم حدنا قيا ودميها الشيخ أدن محمد نور وارتقاتك أو إفديي أنيو كوغن عسن إنا نويدي دركي جلبا وحن مركري إنيو مهد نقيا سيدا نو صور دوشن ونان وليقاي إلو بي C'est avec une immense joie et un réel privilège que je prends la parole au sein de la Chambre basse du Parlement fédéral somalien. Au nom de la délégation des marques qui m'accompagne et à mon nom propre, permettez-moi de remercier vivement le très honorable président du Kulaha Shaabka, mon frère, cher Adam Mohamed Nour. أنا أقول لك أن أنا أشرف على 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 أن أغل كيسري السبيكر عبد الحسن عبد الله كي ديما ان شاء الله نغشبرا dans les arcanes du Sénat. Les membres de la délégation et moi-même, nous tenons à notre saluer l'ensemble des représentants du peuple et des régions de la Somalie ainsi que les personnalités qui prennent part aux côtés de nos hôtes dans le déroulement de la présente session solennelle. Sidoo kale waxaan si hor dhac ugu mahadcelinayaa mahadcelin ballaaran gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maalinta bari ah hadduu eeb idmo nagu qaabili doona golaha aqalka sare aniga iyo waftiga aan hoggaaminayo waxaan sidoo kale jecelnahay inaan salaan gacaltooyo u dirno dhammaan wakiilada golaha shacabka iyo dhammaan shakhsiyaadka ka soo shaqeeyay martigelinta hirgelinta kulanka aan ka muhiimka ah L'Assemblée nationale de la République de Djibouti exprime sa gratitude au Parlement fédéral et au peuple somalien pour nous avoir conviés à effectuer cette visite officielle et surtout pour cette opportunité singulière de vous adresser les messages de vos frères et sœurs de Djibouti. Baarlamaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Djibouti wuxuu mahadcelin ballaaran u diraya baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee sida aad noogu soo casuumteen boqoshada rasmiga oo fursad nagu siinaysa inaan nigu soo dirno fariimaha iyo dhanbaalada niga sinno walaalihiina reer Djibouti. Mesdames et messieurs, même si ce n'est pas la première fois être en terre somalienne et attaque à chaque fois une expérience particulière pour les Djiboutiens, au-delà des sentiments exaltants des retrouvailles, ce sont aussi des moments de célébration, des liens ancestraux profonds et une occasion supplémentaire de renforcer la fraternité qui unit nos deux peuples. Ces relations privilégiées, uniques, nous les devons de la chérir comme un héritage légué par nos ancêtres, par une histoire, par une langue et une culture et par des valeurs communes. inkasta ay sanahay markii ugu horeysay nimaada Soomaaliya laakiin markasta oo nimo ku sugannahay dhulka Soomaaliyeed annaka waxay noo tahay aragti way arag wanaagsan iyo tijaabo wacan hadaba reer Djibouti markay ku sugan yihiin markay soo booqdaan Soomaaliya waxay xasuusisaa heriish heshiiska qotada dheer leh iyo qaaltooyada qotada dheer leh fursadna waxay noo siisaa inaan sii xoojino walaaltinimada dhexmarta labadeena dal iyo dad xiriirkan gaarka ah haddaba ee Soomaaliya iyo Djibouti mideeya waa hanti taariikheed aan ka dhaxlay awowyaashiin waxaana ku astan taariikhdeenna luqaddeenna dhaqankeenna iyo qiyamka aan wadaagno Il y a des preuves du temps, il m'importe de relever que ces pactes anciens, imprégnés de fraternité entre nos deux peuples, de solidarité, d'être toujours l'un pour l'autre,
le meilleur défenseur a toujours été honoré. Dans un passé pas aussi lointain que cela, la nation djiboutienne a pu compter sur le soutien décisif, pour ne pas dire exclusif, de la Somalie dans sa lutte pour l'indépendance nationale. مركز الظروف هذا كان سوى جهان وإن أنفسنا أحد يجي سوى جرين كأه إن كده حلي إن دحمر لبدي ند شعب أحد يجا أو خدسن ولا تنمو إسكو دومني يا إسكو هيلين وقت أنسى أسي فوقي وقت جي جمهورية جيبوتي هل كان كجرت هل كان كي قبل نبدونك جيبوتي واحد كتير سنة أما كت وحكة قادنا يسي تاجر هذا يا جرب قلك أمضى الصوماليات. Grâce aux contributions et plaidoyer de nos frères somaliens, nous avons pu obtenir satisfaction devant les portes des institutions internationales, demeurées longtemps closes face à l'aspiration légitime des peuples djiboutiens. Dans une époque plus récente, qui se remémore des jeunes et des moins jeunes de nos deux peuples, s'est fait autour de la République Djibouti d'assister cette fois à la Somalie, victime durant plus d'une décennie d'un engrenage conflictuel menaçant l'existence même de ces États si chers à nos cœurs. Vous l'aurez compris, je vais parler ici de la conférence historique d'Arta qui venait de lancer les bases pour la renaissance somalienne. وحقبت كأي تاجرده أن أولاه إن الصومالي كهل كهل لوقت يجوميسجا خواصها أفي أدنبا وحن نرسل تجليين إن أنا نافر الباب بده هي أداه الباب بده هي أداه عالميا خواصه وقت يدر نجحنا وقت ينسوسي فقيم ولا بدنا شعب والحصوصنا يان وارمرك هي جمهورية جيبوتي أجرمتي ولا له الصومالي يا وقت يكون هبستي على ذا استبجوك وقتر جلي جريتان كقرن كصومالية وحن فيلا يا إنا فانتين وحن هلك نكمل إحساني وحن ربا إنا نستود هذا هشيسكي أما هشيسكين أبدين الصومالية عرفة كاس أو دي بدأ أتهاجي دي بسون أولينتا دي بعور الشدة أمد الصومالية Mesdames et Messieurs, honorables parlementaires, en vous souvenant de ce moment charnière qui marque l'histoire, une fierté inconsumérable nous remplit d'autant qu'à cette époque, nombre d'entre nous y avons participé également à des degrés différents. Comme ambassadeur de mon pays en Éthiopie, à l'époque de ce tournant glorieux, je suis un témoin privilégié des péripéties des chantiers colossaux réalisé par mon pays et je tiens à rendre hommage devant l'histoire du rôle incontournable de l'initiateur de cet élan de la compassion fraternelle, son excellence Ismaël Marguélé. Marquant d'Ibou Milihsano, waqtiya de aadka u muhiimka ah ee ku asteysan ama ku calaamadeysan taariikhdeena waxay nagu abuureysaa han weyn iyo kalsooni aan qiyaas lahayn waxay taasi dib noogu cusboonaysiinaysaa أما دي بخصوصنا دكتي سيدا هجر سي هجر لأنا وقصو شقيين قيبهاس شركة مركو دعي شركة عرتا إن بدين الصومالية أنا وحناها مركز سفير كجمهورية جيبوتي وجوجا دلك إثيوبيا وحنا كمرة كعيا شقادة هالأبور كله يو بحد آت وين له مدة جمهورية جيبوتي وفدي سي دلك الصومالية وحنا آت هل كان كجعلها إنا كشيبو دور كلام هوران كأه ومدحوينها دلك جمهورية جيبوتي مدحين عثمان عيد عمر جيلة كجيستي نبضين الصومالية. Je précise au préalable que fermement attaché à la fraternité et solidarité djibouto-somalienne, le président Guélé avait engagé la République Djibouti dans son accession à la magistrature suprême dans le cadre d'une stabilité d'une paix durable en Somalie. Jusqu'à la veille de la conclusion solennelle d'une réconciliation somalienne longuement souhaitée et attendue, le chef de l'État djiboutien soulignait combien il était primordial pour Djibouti de ne point ménager ses efforts en vue de se conformer à son obligation ancestrale de se tenir aux cheveux du peuple somalien face à la difficulté. nabadeynta Soomaaliya waxay ajendaha aad u muhiim ah ugu hayd isagoo markasta ka duulaya walaaltinimada iyo wadajirka u dhexeeya Djibouti iyo Soomaaliya ilaa intii la gabagabeeyay shirki dib u nabadeynta Soomaaliya muddo dheer la socday madaxweynaha Djibouti wuxuu hoosta ka xariiqay sida lagama maarmaan u tahay in Djibouti dadaal dheer ku bixiso sida ugu dhow waajibkeega walaaltinimada ay u hayso ummada Soomaaliyeed
تاسو وقتگاس اي هاگردام هايسي Mesdames et Messieurs, honorables parlementaires, en rappelant nos mémoires, ces moments bâtisseurs de la relation fraternelle et solidaire qui unit Djibouti et la République de Somalie, il s'agit aussi de relever une part de la portée significative de cet héritage commun, mais surtout de pointer la nécessité de veiller sans cesse dans nos traductions présentes ou futures à ce que cet héritage soit une boussole. Les preuves de cette tendance sont réelles et on peut la constater dans la coopération bilatérale entre les deux pays et à fortiori des multiples et récentes transactions somalo-djiboutiennes. مركان ديبو ملحسنو حريرك تاريخ دي والالنمي لب... اي اسقرب تاقة والالنمي جبوتي سوماليا وامد ادو بلادن ونقانا مدن ان ان مركز سنة خورو سيخادنو ونس اولا شقينو عدايمها الربيتان كا اسكاشيق لبادة دل وامد ادو موقدة وحانا سيقارا لغو اركي كرا شيسي دا ايو لبقي سودكا يو دهادا الكردوانها جبوتي سوماليا ودحي For example, il y a moins de 10 jours, le 21 octobre dernier, le président Hassan Cheikh Mahmoud a effectué une visite de travail axée sur la solidarité continue et le soutien fraternel de nos nations respectives. Et sur l'année en cours, cette rencontre n'est pas la seule fois où les dirigeants somaliens s'activent à échanger leur vie sur les enjeux et le futur afin d'adopter des prises de position communes. Il en va de même au niveau de notre Parlement, qui œuvre de plus en plus au raffermissement de notre proximité avec notamment des contacts au plus haut niveau. Inkayer Tosalahan, Inkayer Tolumberi, wa Kobi Labatanki Bishatan and Kujirna October, Wahamad Huina Hassan Sheikh Mahmoud, Wukha Bokashashak on Nogi, Mid Delta Djibouti, Bokashadas or Dirada Lagusari, with the Jirka, you were the Jokte Istagarti, you were Nimada. inta aan ku jirnay sanadkan gudihii shirkani ama kulankani ma ku horay balse waxa jira kulan aad u badan oo diyaaradeena lagu saaray isdaafsiga aragtiyada ku saabsan caqabadaha hadda jira iyo kuwan oo doorayseen mustaqbalka si aan moqof mideysan uga qaadano sidoo kale labadeena baarlamaan oo yagna laftooda waxay ku hawlan yihiin xiriirka gaarka si loo joogteyn lahaa iyagoo had iyo jeer u kulmayo heerasha ugu sareeya yanko En mai dernier, mon cher frère Adan Madobe, nous avons eu le privilège de vous accueillir en visite officielle, accompagné de représentants éminents du peuple somalien. Que ce soit lors de ce jour parmi nous à Djibouti, ou durant ces quelques temps passés dans l'hospitalité agréable et chaleureuse de la nation somalienne, il me faut souligner que l'agenda est comme à chaque fois chargé devant nous. Les sujets de discussion et des séances de travail sont conséquents. Bishi May and the Sword of Nay, Wahasharaf and the Soko Vikarani Hide, in a Kusso de Way of Bokashara Smia, Walalke Adan Modove, you have to go Hagamine Kusser Golha Shaka, with to go Nogui with the Delta Djibouti, Marcus to Angola Colono, and Makolana the Shakawala Kadano, Mordeada with the Hadalka, Yokolamado, Wamit Admi Samuil Ule, Adan Ogurus. Dans une conjecture, globalisé avec les défis variés, tant sur la scène nationale, régionale qu'internationale, nous sommes amenés à nous confronter à des enjeux qui requièrent de plus en plus une coopération accrue. C'est pourquoi nous devons, nous représentants du peuple, impulser davantage la dynamique de notre entente au niveau de la coopération parlementaire, surtout. Oui, tous ensemble, nous pourrons œuvrer plus et mieux avec le gouvernement djiboutien et somalien, tant sur la réflexion des stratégies à mener que sur la mise en place des orientations à s'exécuter pour accroître les flux, le volume et le secteur des échanges entre les deux pays. Aussi, nous pouvons apporter une nouvelle vision sur les axes de coopération et sur les voies des moyens de développer, car notre relation de partenariat est aussi transversale que susceptible d'être déchiffré encore. Il y a donc un jour, nous avons eu un peu on a eu un عقبات كلا دوين او كلا له هرر هر قرن هر غوبل يا هر عالميه وحا مهمه ان لا تعالى دباتوينكا انكو اسكاشرينا هي اس افغرب
taasina waa sababta ay wakiilada golaha shacabka ay ugu baahan yihiin inay kor u qaadaan is afgaradka iyo is wadaagsiga aragtida labada baarlamaan ha dhamaanteen labadeena dal waxaan si wada jir ah uga shaqeyn karnaa iskaashiga taasoo noo ogolaanaysa inaan si xeeladaysan uga fakirno jihada aan ugu horumarin karno xiriirkeena sidoo kale waxaan ku dadaali karnaa sidii aan u kobcin lahayn mugga ee iskaashiga iyo waxyaabaha kala duwan si aan u abuurno aragti cusub oo ku saabsan iskaashiga labada shacab xiriirkeena wada shaqeyn waa mid ku fidaya dhinacyo badan hase yeeshee waxaanan u haysanaa fursad inaan sii ballaarino xiriirkaas Le mandat parlementaire de représentant du peuple nous apprend toujours que tous les intérêts, les aspirations et préoccupations de nos compatriotes sont dignes, consacrés sans retenue, sans hésitation et encore sans négligence. Et c'est avec une mentalité d'interdépendance, de respect mutuel, de solidarité que nous pourrons les aborder de façon sereine et constructive. Avec cette méthodologie, nous pourrons des concerts. Contribuer à mettre les bases d'un avenir aussi prospère qu'inclusif pour la République Djibouti et pour la République fédérale de Somalie. En clôturant mes propos sur cette note d'espoir, je prie Allah le Très-Haut qu'il octroie ses bénédictions à nos populations et qu'il préserve nos deux États de tout aléa et de tout tourment. Je vous remercie de votre attention. mudane yar iyo murugooyin xilgudashada baarlamaani waxayna faraysaa inaan dhammaan ka shaqeyno danaha rajada iyo walaaca muwaadiniinta kuwaasoo naga mudan inaan dadaalo buuxa ka samayno iyagoonan aynan jirin xayiraad shaki iyo waxyaaba dhalaya siya annagoo maskaxda ku hayna isku xirnaanshaha is-ixtiraamka iyo midnimada waxaan si xasiloon wax ku oola u wajihi karnaa arrin kaste anigoo soo gabagabaynaya ama gunaanadka hadalkayga waxaan ku jiraan fariimaha rajadali waxaan ilaahay ka baryayaa inuu labadeenna dal barakeeyo nagana xafido dhibaatooyinka iyo hagardaamaha waad ku mahadsantiin sida fiican aad ii dhegaysateen